Bon, ok. Essayer de d'en prendre un maximum. Ouais, attendez, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Ok, attendez, je regarde juste le retour sur le live. Ok, j'en suis là sur le retour. Ok. Wallé! Non, pas la jambe avec, s'il te plaît. Je voudrais pas amputer Jade, ça me ferait beaucoup de mal. Ça m'en mettrait un sacré coup au moral. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais, non. Là, pour le moment, ça va. Juste quelques pixels qui. Voilà. Hop. Ça je peux, ouais. Ça je peux un petit peu, voilà, l'étendre. Ouais, j'étais un peu trop loin là. Bon. Ici, j'ai une très grosse diversité de couleurs, enfin de vraiment de marron, de noir, ce qui fait que Gim galère un petit peu à repérer les formes et donc à utiliser la sélection. Je vais aider un petit peu. Hop. Tout ça, c'est de l'ombre. Voilà. Voilà, j'avoue que même moi, j'ai du mal à voir où est la limite entre l'ombre et la chaussure là. Bon, on va dire que c'est là. Hop. Et on va prendre ça. Je vais prendre tout le bord là parce que. Clairement, j'ai l'impression d'avoir oublié des pixels un peu partout. Ok. Bing! Allez, alors ça donne quoi? Ok, on se moufera un petit peu, hein. Regardez, hop, si je fais ça, voilà. Hop. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi. Ah, contre Y, contre le match. Ah, voilà, hop. Voilà, si je fais ça, hop. Voilà, hein, les pixels qui dépassent, on ne les voit plus. Voilà. Eh oui, c'est bon. Allez. Par contre, je ferai ça à la toute fin. Le smoother un petit peu les bords. Je ferai ça. Je ferai ça après. Généralement, ça, je le fais à la toute fin. Comme ça, en fait, ce que je fais vraiment à la toute fin, c'est que tous mes calques. Alors, ça dépend. Hein, je le fais pas tout le temps. Quand je veux que, par exemple, dans les photos troll, je le fais pas parce que je veux justement que ce soit le plus affreux possible. Donc ça, je le fais pas. Mais, enfin, même si parfois je le fais quand même. Mais ce que je fais, c'est que tous les calques, en fait, je les refusionne et toutes les jointures entre chaque calque, en fait, je fais soit un floutage pour le voilà pour faire fusionner vraiment les calques, soit un petit peu de barbouillage.
Voilà. C'est généralement ce que je fais pour vraiment, voilà, comme ça, la limite, comment dire, les coupures entre les calques, en fait, ça s'atténue. Et voilà. C'est une astuce, quand vous avez deux calques qui se touchent, en fait, ou l'un contre l'autre, et qu'il y a une coupure nette. C'est d'ailleurs ce qui va se passer avec, hop, attendez, avec la photo de, avec l'image de, voilà, avec l'image ici, vous voyez, ça fait vraiment une coupure nette. Donc ça veut dire que quand je vais mettre un calque derrière, ça va vraiment, la coupure nette va rester. Or, si je floute un petit peu, voilà, si je fusionne avec le calque derrière et que je floute, bah ça va être moins net. Enfin, la coupure va être moins nette et donc sera plus agréable. Vous voyez, ce sera moins choquant. Donc voilà. Attendez, excusez-moi une minute. Ouais, c'est bon. J'ai eu un doute si j'avais mon micro d'activer en fait. Bref, il me reste toute la partie de la jambe ici. Bon, ça va être relativement rapide, hein. Normalement, ici j'ai même envie de le faire un petit peu. YOLO. Hey, nickel. On y verra avec le floutage, on y verra du feu. Hop, on va se réduire un petit peu, mais de toute façon, ça va partir avec. Attendez, ici, juste parce qu'ici, je sais que la. Attendez, j'ai même envie de le faire un petit peu. À la gomme, parce qu'à la gomme je vais y arriver. Bah, hé, oh, c'est pas du détourage de professionnel, ça? Et je rappelle que je suis pas à la souris, hein. Je suis au tactile d'ordinateur. Alors les tactiles chez Asus, c'est des tactiles de taré, hein. Les trucs sont précis comme c'est chirurgical comme truc. Merci Asus, c'est génial. Je vous aime les mecs. Je signe une sponsor Asus quand ils veulent, clairement. Hein. Non mais je suis trop petit pour ça. Enfin ma chaîne est trop petite pour ça. Mais clairement le. Si un jour ma chaîne arrive à 100 abonnés et. Enfin non, 100 abonnés je les ai déjà. Je suis con. Mais le jour où ma chaîne arrive à 1000 abonnés et que Asus me propose une sponsor, je signe direct. Parce que les mecs, je kiffe leur matos, quoi. C'est mon. Que je dise pas de bêtises. Celui-là, c'est mon troisième PC Asus que j'ai. Bon, il y en a un malheureusement qui a. C'est l'alimentation qui a lâché, c'est pas de la faute du matériel, quoi. C'est tout. Enfin, c'est la. C'était le. Comment? La connectique de l'alimentation. C'était un PC portable aussi. Et c'est ça qu'avait lâché à l'époque. Mais voilà. J'ai un petit. Alors, petit fun fact, j'ai un petit iPC, un i900. Je l'avais au lycée, donc ça veut dire que je l'ai depuis 2000. Peut-être bien 2009. On est en 2017 et il fonctionne toujours nickel. Alors. Maintenant il est sous Linux, hein. Je l'avais acheté sous Windows, mais maintenant il est sous Linux. Mais il marche au poil. Il marche nickel. Donc, moi je dis Asus respect. Ben voilà. Moi je ne veux pas faire de la pub forcément. Hein, mais. Si vous voulez des bons PC,
à mon avis, jeter un œil du côté d'Azus. Et je suis plutôt content du détourage de Jade, même si j'ai envie de hop ici. Ici, c'est un peu dégueulasse. Je vais juste hop. Et je vais faire ça. Voilà, à la gomme. Ça fait chelou ici en fait. Voilà, je vais juste faire comme ça. Voilà, et si je fais ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est nickel. Hop, déplacer. Alors, j'ai envie de la. Hop, de la mettre dans l'autre sens. Voilà. Et. Alors attendez, je vais encore dézoomer un petit peu. Hop. Je vais vraiment zoomer ce qu'il faut. Hop. Voilà. Je sais pas trop comment. J'aurais bien envie, c'est de la placer un peu genre ici. Voilà, genre elle va pareil foncer sur l'ennemi de Back to Black. Enfin, voilà, j'ai envie peut-être un petit peu, voilà, de partir comme ça. Je sais pas. Ouais. Peut-être envie de partir comme ça. Je verrai pour l'agrandir, pour vraiment l'ajuster. Pour le moment, je place juste les éléments dont j'ai envie. Voilà. Vraiment, pour le moment, ça va être que ça. Ce live, en fait, ça va être que ça. Ça va être placer, enfin, pas placer les éléments, mais au moins les avoir dans le projet. D'ailleurs, vu que ça fait 2 heures que je suis là-dessus, ce qu'on va faire, c'est on va enregistrer le projet. Donc, on va faire fichier. Ouais, enregistrer. On va enregistrer le projet. Et attendez. Ah, question. Est-ce que ouais. Que je dise pas de bêtises. Alors. Bannière. Voilà. Donc je vais comment nommer donc bah, bannière tout simplement. Voilà, c'est enregistré comme ça. Je sais pas si ça s'est vu. Non, ça s'est pas vu sur XSplit. Bon, enfin, vous le verrez certainement à la rediff. Hein, mais en fait, ben, c'est une simple interface pour enregistrer. Hein. Et donc, ça donne un fichier XFS. Et le fichier XFS en question, c'est le fichier projet de GIMP. Ce qui fait que voilà, je peux, quand je veux, réouvrir ce projet. Et voilà quoi. Je sais pas si à la rediff on le verra. D'ailleurs, la rediff, je vais couper et relancer la VOD. À tout de suite. Attendez, parce que ça fait. Voilà, ça fait 2 heures. Le fichier il fait combien? Le fichier fait 10 gigas, les mecs. Attendez. Bon, je relance la VOD. Hop, la VOD, donc voilà, donc deuxième partie pour vous, mais voilà, de toute façon je sais pas combien de temps encore je vais live. Juste une seconde, je bois un coup. C'est bête, je viens de relancer la VOD, mais je vais faire une pause, juste aller boire un coup, parce que j'ai plus rien en fait ici. Je vais juste aller boire un coup, je fais une pause de 5 minutes. A tout de suite!
Désolé pour la VOD, j'ai oublié de vous relancer. Donc j'ai simplement pris le logo d'Antichamber et je l'ai. Voilà, je l'ai mis. Voilà, je l'ai détouré, je l'ai mis comme ça. Ça a pris 2 minutes. Donc là, je suis sur Boson X. Mais je relance Firefox parce qu'apparemment, j'ai le player YouTube qui a saturé mon cache. Je sais pas ce qui se passe, j'ai Firefox qui galère. Ok, check les mises à jour. Ok. Ouais, parce que j'ai plus rien là. J'ai pas le retour, j'ai pas le chat, j'ai que dalle là. Donc attendez une seconde que je retrouve ça, que je récupère ça. Hop. Diffusion en direct. On est où là? Voilà! Ben voilà quand tu veux. Donc c'est bon. Alors, j'en étais Boson X. Boson X. Je pose. J'ai jamais su comment prononcer. C'est une référence au boson de Higgs qui a eu, enfin qui a été découvert cette année-là, l'année de sortie du jeu. Bah écoutez, ça va pas être compliqué. On va prendre ça. Attendez, est-ce qu'on prend celui-là? Ah, vas-y, résolution de merde. Attendez, attendez, attendez. Hop. Grande taille. Voilà. Voilà. Alors attendez, est-ce qu'on peut avoir... Oui, nickel. Exactement ce que je voulais. Exactement ce que je voulais. 800 fois 600. Ah, ça va. Allez, ça ira. Nickel. Allez, hop, clic droit, copier l'image, GIMP, CTRL V. Hop, faire nouveau calque. Voilà, donc on va voir ça. On va l'agrandir à terme. Hop, et on est reparti pour un petit zoom. Et là, je vais vraiment pas m'emmerder parce que je vais faire. Hop. Une immense coupe. Ici. 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 Et ici. Voilà. Et là, je fais supprimer. Voilà. Ce qui fait que j'ai quasiment plus rien à détourer. En fait, j'ai, hop, que dalle à détourer. Voilà, il y a juste ça. Ouais, et encore ça, je vais faire à la gomme. Hop. J'ai un doute. Non, c'est bon, c'est ça. Parce que j'avais l'impression que la main avait été effacée, mais non. Ok, voilà. Donc ça, c'est le petit personnage dans Boson X. Voilà. Hop. Voilà, encore un truc qui a été fait en 2 minutes, comme ça. Hop. Découpage intelligent. On va juste peut-être l'agrandir un petit peu. Hop. Tac. 200, hop, voilà. Je vais le mettre là, pour le moment. Voilà. Bon, ça commence à se remplir, hein, tout ça. Donc, on a déjà énormément d'éléments qu'on va pouvoir mettre en scène sur voilà.
On pourra mettre en scène tout ça. Prochain élément. Alors attendez, Claire, il est là. Ouais, ok. Prochain élément. Un noob en mode lol. Donc, alors, j'ai créé la playlist aujourd'hui même. Hein, donc, je sais que les vidéos n'ont pas été vues énormément. Mais si vous voulez me voir galérer sur League of Legends, voilà. Hein. Un noob en mode lol, il y a 4 épisodes d'une heure. Une heure chacun. Voilà. Si vous voulez passer une bonne après-midi, vous regardez ça, ça dure 4 heures. Vous vous foutez de ma gueule, enfin voilà. Hein. Dont la dernière partie, voilà. Alors, dont la dernière partie est étant multi, vu que je jouais à l'époque avec TB Killer et Guine. Voilà, j'avais fait une game avec eux et on s'organisait via TS. Donc voilà, c'est toujours sympa. Je l'avais revu il y a pas longtemps, c'est plus. Enfin, voilà, en préparant en fait ce live, j'ai dû revisionner quelques-unes de mes vidéos. Ouais, enfin voilà, celle-là, je m'étais bien éclaté à la revoir. Tic-tac-tac. Oui, je viens de dire League of Legends. League of Legends. Alors, il y a le logo évidemment, mais je préférais mettre peut-être. Comment ça s'appelle? Ashe ou Garen. Parce que je jouais avec Ashe et Garen essentiellement. J'avais bien aimé, c'était pas Anita, c'était l'aigle de glace là. Si, je crois qu'elle s'appelait Anita, l'aigle de glace. J'avais bien aimé ce perso. Ah! Ouais, j'ai H là, mais bon, pour la détourer, je vais en chier. Je tapais, attendez, hey, oh, ça va être simple. Je tapais League of Legends. Noob. Ou alors, je vais essayer de trouver. Oh zut, c'est pas ça que je voulais faire. League of Noobs. Ah ouais, ok. Genre League of Legends avec Arteon de l'équipe de Noob. C'est quoi ce truc? Attendez, 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 attendez. Je peux pas montrer ça, mais il y a une parodie. Attendez, alors attends. Ça s'appelle. Putain, c'est lisible un truc. League of Legends Clash of Fate. Mais en fait, il y a une miniature, mais honnêtement, je pourrais la mettre, elle est trop putaclic. En gros, ouais, t'as la plupart des. On a la plupart des gonzesses du jeu en. Qui sont. Ouais, qui sont en petite tenue, quoi. Mais un petit peu style hentai, vous voyez? Ou pas? C'était vraiment manga, quoi. Voilà. Noobs play Olaf. Il y a un nain qui s'appelle Olaf apparemment dans League of Legends, je suis pas au courant. Bon, c'est pas compliqué. Je vais mettre H, je pense. C'est ASH, hein, je crois. Oh purée, ça rase les fanarts. Oh, vous êtes des malades.
Les mecs qui font des fanarts, c'est des malades. C'est. Les mecs me font toujours halluciner. Putain, moi avec Gimp, je joue avec mes crottes de nez, clairement. Rien à voir, hein. Mais il n'y en a pas une où son arc est pas coupé, parce que à chaque fois je vois, voilà, GH, mais le problème c'est que son arc est coupé en haut. Donc bah voilà quoi. Inexploitable. À chaque fois son corps est coupé quelque part, que ce soit les jambes, ça va être difficilement exploitable. Ah, sinon je disais, je crois que c'est Anita. De mémoire. De mémoire, ça doit être ça. C'est qui cette gonzesse? Je sais pas, je tape League of Legends Anita sur. Et apparemment, je tombe sur une youtubeuse. Non, donc c'est pas Anita. Ou alors ça s'écrit avec. Non, ça s'écrit pas avec un seul N. Anita, c'est avec deux N, non? Non. Non, Anita, apparemment, c'était la pirate. C'était pas Miss Fortune, la pirate? Je sais plus. Si, la pirate, c'est Miss Fortune. Oh, j'en sais rien. Est-ce que j'avais joué avec qui? Je me souviens avoir joué avec Ashe, avec Garen. J'ai joué avec. Alors, il me semble que c'est Anita, l'oiseau de glace là. Et j'ai joué avec un personnage super agaçant avec un Yeti là. Mettez pas le Yeti en colère! Super agaçant. J'avais joué avec Miss Fortune aussi. Mais voilà, clairement. Purée, en fait, c'est un petit peu. Voilà. Alors, ce que j'avais un petit peu imaginé, vous voyez, c'est un truc. Attends, genre League of Legends, l'animé, ça existe. Ok, si vous voulez. Attendez, je copie l'image juste pour vous montrer un petit peu l'idée que moi j'avais envie de faire pour ma bannière. Voilà, c'est un truc un peu dans le genre, vous voyez tous les personnages un peu tournés vers le même côté avec un. Voilà, par exemple, vous voyez ce personnage-là, on a l'impression qu'il avance, enfin que. Voilà, que ça avance vers. Il y a un mouvement, quoi, si vous voulez. J'avais envie d'avoir cette sensation-là sur ma bannière, mais que le mouvement se fasse vers la gauche en fait. En fait, pour faire simple, hop, retournement, hop, voilà, plutôt comme ça. C'est un petit peu l'idée. Nyeh. Supprimer le sac. Voilà, par exemple, lui. Pas du tout dans le bon sens. Enfin bon. Bon, apparemment il y a un animé de League of Legends. J'étais pas au courant. Et si je mets Garen?
Allez, mon lapin. Oui, je l'ai faite pendant la série, ça va. Oh, le lapin de Garenne, évidemment. Cette position-là, il est classe. Je pourrais virer son. Ouais, le truc, c'est qu'il porte un étendard. Je peux virer l'étendard. Ça pose pas de problème. Ça donnera cette idée. Il tient un bâton. Attendez, je regarde s'il n'y a pas autre chose, mais. Ouais, il y a celle-là. Oh, ok, apparemment c'est un fan art. C'est pas un truc officiel. Ah, quoi qu'il y a celui-là, là. Ouais, honnêtement, des images de Garen, il y en a des sympas. Celle-là, elle donne quoi? Non, celle-là, elle est coupée, ça va pas. Bah écoutez, je vais prendre. Attendez, sinon ça c'est quoi? Ouais, celle-là, c'est celle. En fait, c'est sa miniature. Ok. Donc attendez. Donc j'en avais vu une belle. Donc j'ai celle-là. Apparemment sur DeviantArt. Hop. Non, s'il te plaît. En train de lever. Voilà. Et quel con. Voilà, hop, faire calque. Voilà, j'ai celui-là. Honnêtement, qui a pas l'air trop mal. Enfin, il est sombre. L'image est très sombre, c'est le problème. Non, l'image est trop sombre. J'en trouvais une autre. J'en trouvais une autre. Sur l'autre écran, je voyais ça plus clair que ça, mais non. Donc sinon, j'en avais vu une autre. Attendez que je dise pas de bêtises. Une où il avait une posture super sympa. Attendez. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Mais apparemment... Attendez, je regarde... Attendez, je regarde la source, j'ai pas vu la source. League of Legends Wikia, donc c'est apparemment c'est sur le site de, enfin c'est sur le wiki de League of Legends. Hop. En plus, voilà, en plus, j'ai pas à me faire chier. C'est déjà un PNG détouré. J'ai envie de dire fuck it. Voilà. Hop. Ping. Je le retourne simplement. Et voilà, j'ai Garen, hop, voilà, pour symboliser League of Legends. Même si j'ai fait que 4 épisodes là-dessus. Voilà, je me suis dit, allez, on va vraiment tout faire. Voilà. Donc là, j'ai déjà énormément d'éléments, hein, clairement. Sachant que ici, ben, là où est en fait voilà, le coin du calque de Garen, là normalement j'ai ma photo de. J'ai ma photo quoi. Donc faudrait que je fasse attention à ça. Alors. Réfléchissons. Un petit peu. J'essaie déjà de voir un petit peu les positions. De chacun. Déjà pour le moment, Linux et Minecraft, là, c'est bien placé. Alors attendez, j'ai envie d'essayer un petit peu. Je suis bien en position. Alors peut-être que si je... ouais, comme ça. J'ai quoi derrière? Ah non, j'ai rien derrière. Si je fais comme ça, genre, voilà, je serre un petit peu. Ici, je garde mon idée. Voilà, avec peut-être jette comme ça.
réfléchis, hein. Je réfléchis vraiment comment placer les choses. Ouais, comme ça. Déjà, l'idée pour garder ça, non, annule, ce serait que back to back, hop, voilà, déjà. Faut voir. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Oula, extrêmement chelou. J'ai reçu un appel. Voilà, on me demande si je suis Madame Intel. Je dis bah non, je ne suis pas. Puis d'un seul coup, j'entends la femme genre parler derrière elle à un responsable. Wally Wallow. Oula, je me fais. Ok, encore une plateforme au Maroc. Enfin bon, et puis ça m'a raccroché au nez. Voilà, nickel. Attendez. Attendez, parce que j'ai également reçu des messages. Attendez, je m'enseigne. Je m'enseigne pour un ami. Je vous demande juste une minute de votre temps. C'est quoi ce truc? Ça a l'air d'être du dev, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Oh, d'accord, ok. Ouais, non, c'est de la merde. je vais dire, c'est de la merde. Ouais, attendez, attendez. J'en ai vraiment. Excusez-moi, oui, j'en ai vraiment pour une minute. Je viens de check le web. Ça a pas l'air compliqué. C'est bon, excusez-moi. Donc on est reparti. Garen, je sais pas du tout le placer. Pour le moment, voilà, petite disposition comme ça. On va voir comment on sature, comment on bourre le fond. Hein, parce que clairement, j'ai envie de cette bourrée. On va voir. On va voir. De toute façon, tous les éléments ne sont pas encore là. Donc voilà, donc cette recherche-là, je peux la fermer. Hop, tableau de bord. Je regarde rapidement. Ok. Toujours une personne qui avait pas sur le live, qui est à fond apparemment hein, sur le live. Bah merci mec. Donc
Donc j'ai dit, bon, voilà, César 3. Ouais, César 3. Ouais. J'ai envie de mettre le mec qui est au début du jeu, là, qui fait Ave César, là. Normalement, je devrais le retrouver sur Internet. César 3, sur lequel j'avais ragé à la fin. Hein. Alors, ça s'écrit Caesar 3. Hop, image. Évidemment, j'ai que des photos de ville. J'ai César qui boit un coup. Wow. Ah, voilà, je l'ai l'image en question. Développeur Sierra, évidemment. Hein. Dommage que cet éditeur-là est... Enfin, oui, hein, ils ont coulé Sierra. Hein. Il me semble que... Allez, copier l'image. Hop, on va la déplacer un petit peu. Alors, attendez. Je vais déplacer pas mal de choses, je pense. Déjà, à commencer par Garen. Je vais... Pour le moment, je vais le mettre là. Et... Non! Hein? Ah, ok, d'accord, ok, j'avais fusionné avec ok, vers nouveau calque, hop, voilà. Donc j'ai dit hop et hop. Bon, tant pis, il y a Antichambre qui est là. Voilà, on va juste garder ce mec. On va juste garder ce mec. C'est tout. Voilà. On fiche quoi. Hop. Voilà. C'est l'autre touche. Hop. Bing, allez. Comme ça, hop. Bouge un petit peu. Alors. Ah, c'est pas vrai. Attendez, excusez-moi. Lol, excusez-moi, j'ai un pote qui s'est relancé dans des études et apparemment on lui demande d'avoir quelques compétences en développement. Ce qui est très étrange parce que c'est pas du tout une filière où on s'attend à avoir de l'informatique. Comme quoi c'est vraiment partout. Enfin bon. Alors allez. Wow. Beaucoup trop beau. Alors. On va utiliser notre technique. On va utiliser une technique de bâtard. Mais voilà. Hop. Ah, voilà. On va utiliser le petit outil de barbouillage dont je vous avais parlé. On va juste un petit peu la grossir. Et on va voilà, barbouiller un petit peu les zones où on veut. Voilà. Où on veut que ça. Où on veut pouvoir sélectionner en gros sans problème. En gros, voilà. On va faire ça. Et là, normalement, si je fais ça, voilà, je peux détourer beaucoup plus facilement. Et c'est encore c'est vite dit. Pff, tu parles mon os, ouais. Non, ok. Non, pas bonne idée. Autre technique. Autre technique, alors, dans ce cas. On va prendre ce que l'on veut garder. Ça va être chiant cette histoire. Donc ça, j'en veux pas. Tu dégages. Donc ça, je le veux. Ça,
sacrette à la con là. Ah y a, bon. Comment j'ai détouré cette merde? Donc. Excusez-moi, je suis dérangé sur mobile là, donc je reçois des messages. Hop. Bon, il me saoule. Attendez, excusez-moi, juste une seconde. Attendez, je devrais encore recevoir un message. Bon, on verra bien. Apparemment, il a besoin d'un hébergeur. Alors, si pour un petit projet pédagogique, donc s'il a besoin d'un hébergeur, moi je veux bien l'héberger. Enfin, bon. Voilà. Ouais, on a passé 4 heures d'après-midi, je vais commencer à être emmerdé de partout. Enfin, emmerdé. Je suis méchant, mais. Bon. On va détourer un maximum comme ça. Le problème, c'est que bah, c'est un vieux jeu de 98 et c'est méga pixelisé. Alors j'ai Gimp qui galère à détourer tout ce fourbi. Donc on va l'y aider. Alors là, vous voyez, je vois pas la limite entre le bras et le. On va dire que c'est là. Hop, j'essaie de smoother un petit peu. Voilà. En plus, je pense son truc. Ouais, attendez, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis à autre chose, hein. Mais là, son petit projet pédagogique, là, pourrait être sympa pour moi. Si je pouvais y avoir accès, ça serait cool. Parce que peut-être que je pourrais exploiter des trucs. Excusez-moi. Avec son accord, bien entendu, hein.
Ah, ok, oui, il y a son épée pourrie là. Je sais pas trop comment je vais pouvoir. Bon. Bon, déjà, on va supprimer. Hop, voilà, tout ce qui est. Voilà. T'as une belle tête, mon gars. T'as une belle tête, t'en fais pas. T'iras loin, toi. Purée. Allez. Voilà. Et je vous dis, je détoure avec le cercle parce que voilà, ça permet vraiment d'être précis, surtout quand voilà, quand c'est pas. Wow, qu'est-ce que tu me fais là? Mais va chier, va chier un kilo. Voilà, allez, hop, supprimer. Bien sûr. En fait, il m'a changé l'outil encore une fois. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Bon, je crois que je vais détourer le reste à la gomme parce que. Que clairement là je vais pas m'en sortir. Peut-être pas pris une très bonne image là. Pour le coup. Aurait peut-être pu tomber mieux. Non, trop. Bon, écoutez, ça a pas l'air. Pour le moment, ça a pas l'air trop mal. Je vais détourer un peu la gomme. Ouais, alors évidemment, contrôle mage A. Alors, écoutez, juste petite pause, une seconde. Je coupe même pas, je continue. Mais faut que je passe un appel.
Alors, excusez-moi, donc je suis au téléphone avec un pote là et ça va être un peu compliqué. Donc je coupe le live, voilà. Et on se retrouvera, bah, suivez-moi sur Facebook pour le prochain live. On terminera ce petit projet. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Hop.